Je l'ai appelé le Super Color Trifonard. Et maintenant, ouvrez bien vos yeux. Vous allez vivre un moment historique. Et salut à tous les amis, c'est le Capitaine Haddock. Et aujourd'hui, je suis très heureux parce que c'est la sortie du dernier DLC de Sea of Thieves. Et donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une première vidéo où on entend ma voix, sur Sea of Thieves pour la sortie de Forsaken Shore, le troisième DLC qui fait donc suite à The Angering Deep, et je ne me rappelle plus le nom du deuxième, celui avec les bateaux aux squelettes. Mais bref, aujourd'hui, on va tester en compagnie de Panini, on va tester ce DLC qui nous promet plein de choses super intéressantes, des chaloupes attachées aux trois types de bateaux. Je crois qu'il y a également des nouvelles îles, un volcan, un nouvel avant-poste, évidemment des nouveaux skins, des nouveaux coffres, plein de nouvelles choses. Alors il me semble que c'est à l'est, est-sud-est. Oh oui. Oh. Oh. Oh c'est grand. Ah oui d'accord. Oui. Mais c'est immense. Ah ouais. Mais il y a combien... Attends zoom, il y a combien d'îles? Mais il y en a beaucoup trop. Ça s'y était, parce qu'il y a Crackenfall. Et du coup ça commence là, ici, là. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a une petite option qui est super pratique quand tu ouvres un tonneau. Tu peux tout prendre maintenant. D'un coup. Ah. Même ah, à la manette. Ah, comment on ferme une carte? Je sais plus c'est quoi ma touche. Avant-poste Morrow's Peak. Mais le cap Archibald. Eh ben c'est plein est. Ça sera à droite, juste après le ponton. Là. Et à droite, juste après le ponton. En plus, je joue pour la première fois avec ma manette. Sea of Thieves. Eh oui. C'est trop de pognon dans ces pop-ups. On me l'a offert. Je sais. Surtout que j'ai mis quasiment 2 mois à la recevoir à cause d'un problème avec Micromania. Oh là là. Oh là là. Quelle idée. Tu achètes un jeu 70 balles. Tu reviens 2 jours après parce que tu l'as toujours pas déballé. En fait, c'était pas celui-là qu'il fallait. Et ils te le reprennent 20 balles. Regarde, il y a un nuage en forme de bateau à bâbord. Ça, ça veut dire qu'il y a des bateaux squelettes en dessous. Ah ouais. Oh, je vois du feu. Ah oui, je vois... Oui, oui, effectivement. Oh putain. On est en paix, bande de salope. Tourne, braque. T'inquiète, t'inquiète. Parce qu'il glisse beaucoup ce bateau. Oh, il y a des ambiances sonores que je ne connaissais pas là. Oh oui. Oh putain, t'as vu c'est quoi l'avant-poste? Il était foncé de partout, c'est trop stylé. J'ai entendu une voix d'enfant. Alliance. Il nous propose une alliance. Oh, bah dis donc, on a pris une balafre. C'est un problème. Alors, est-ce qu'il y a des trucs intéressants dans les boutiques où c'est toujours la même chose? Ah bah oui, du coup il y a le truc du kraken là qu'on peut acheter. Le truc du crabier et il y a le truc du dragon. Oh là. Ouais bah là je vais faire une ellipse, je vais tout acheter. C'est parti. Ah oui effectivement, l'achat de quêtes est différente. Elles sont entourées d'un liseré de feu. D'accord. Je vais acheter un coffre et un crâne. Ouais. De toute façon, faudra qu'on en fasse un petit peu. Oui. Moi, je vais retourner sur le bateau, je vais regarder la tenue Kraken et tout. Elle est où la dame des crânes? Je l'ai pas vue tout à l'heure. La dame des crânes! Elle est au bout de l'île, mais à l'opposé. Oh! 3 îles et une énigme. Putain, alors par contre, ça va être galère pour les trouver. 2 coffres, 3 coffres. 5 coffres. C'est pas alors, mal. La première c'est celle-là. Flinthook, Peninsula. Peninsula. L'autre, il y a un volcan apparemment dessus. C'est quoi la touche d'action déjà? Il te va pas si mal le chapeau. Hein. J'aimerais bien me voir. Attends, avec la barbe. Le chapeau aurait pu être mieux en l'agrandissant un tout petit peu. Un peu plus large, ouais, il aurait été vraiment bien. Alors c'est que tout le monde aime les petits chapeaux, mais je comprends pas non plus. Ou alors on est les deux seuls cons à avoir des grosses têtes. Grosses têtes. C'est pour bien penser ça. Mais du coup c'était une sorte de mini volcan là à côté de l'avant-poste.
Oula, ils se déplacent vite. Oula, bonjour. Ça va? C'est pas interdit de dépasser comme ça là? Il nous a fait un déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Remonte la voilure. J'ai l'impression que c'est un volcan éteint. Non. Oh. Oui. Oh purée. Oh, un nouveau coffre. Ah mon dieu. C'est moi ou le sol tremble là? Panini. Ah oui. Ah oui. Ah, moi je suis innocent moi. Panini, reviens en bateau. Reviens vite. Oh oh oh. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Putain. J'ai rien dit, ça coule beaucoup plus qu'avant. Écope. Coucou. Y'a un bateau qui nous tire dessus, mais putain, c'est pas possible. Mais bande de con. Toute voile dans le cul. Vas-y, écope. Ouais. Y'en a un à bord. A few moments later. Cet homme est un alcoolique. Oui. La bière, c'est moins alcoolisé que l'eau. Ça dépend lesquels, n'est-ce pas, Panini? Ta gueule. Bien joué. Mort de rire, bien joué, merci, oui. Il est fou. Oui. Ah, je vois. Ah oui, ça tombe vachement loin quand même. Ouais, c'est impressionnant. J'enlève mes mains, je les essuie, j'arrive. Ça aurait pas un peu tapé une fois? Non, c'est une impression. Ah oui, j'avoue. Ah, puis celle-là, elle a l'air d'être en bon état quand même. Quand t'es dans la chaloupe. Ouais. Ah, oh, mais y'a deux coffres à la con là. S'asseoir. Je suis assis. On peut monter à deux dedans. Je pense, essaye. Tu peux t'asseoir quelque part? On peut monter au moins à trois dedans. Oh, ça tombe bien. Il y a trois places. Par contre, comment on fait pour l'accrocher au cul du bateau? Ouais, vas-y, rapproche-toi. Fais un coup à droite. C'est l'autre droite. Parce que le coup à droite, c'est le coup à gauche. Prendre le coup. Ouais. Attends, bouge plus. Chaloupe amarrée. Oh. Voilà. Parfait. C'est trop bien. Alors, on s'approche de lui avec le volcan qui crache, mais alors jusqu'ici. Bah arrête-toi! Ouais, donc je fais le tour du rocher, on va s'arrêter juste derrière. Oh putain, oui, ça passe pas loin. Pour être caché si jamais il y a d'autres joueurs. Oh, oh putain. Ah, c'est vraiment à côté, hein. C'est pas bien loin. Bon, c'est un feu d'artifice. Spouh. Du coup, je crois que je suis bon. Mes clés, les clés, ici. Pour démarrer la chaloupe, ouais. Jean-Louis Starter et Jean-Louis Starter, il est en panne. 1 hour later. 2 hours later. J'ai peur, Panini. 3 hours later. Ah, elle a abîmé. Putain, elle est en train de se casser. Ah. Bon, il nous faudra des planches pour la réparer. On peut la... Eh, cool. Non. Au revoir. Chaloupe des mers. Hello darkness, my old friend.
Il y en a peut-être une autre. Oh, je vois un truc qui brille. Oh, il y a une chaloupe. Oh. Oh, j'ai trouvé un nouvel objet par contre là. Une coupe. Comment ça s'appelle? Une coupe hurlante. D'accord. Et de la lave dessus. Elle est bien ici. Ouais, même s'il rentre en éruption, je pense que ça devrait aller. Il nous reste 3 coffres. Il y en a un pas loin d'ici, là. Squelette ! Adieu ! Ça va être long, la nage. Ça va. Avec le canon, j'atterris au titre de l'île. C'est quoi ces tirs, là ? Ah oui! T'es vers la chaloupe ou pas? Ouais. Bah vas-y, go hein. Ah on est des lâches! Bon, ce que je te propose qu'on fasse, c'est qu'on fasse vite fait le seul squelette qu'il y a à faire, c'est tout droit, la petite île. Ouais. On passe à l'avant-poste, et on finit par, par l'énigme. Paf, la tête dans le sable. Ils sont goldés. Capitaine, il est lâche mais il vise bien. Vous êtes mauvais, capitaine. Voilà. Bravo, capitaine. Oh, le galion est pas loin. C'est de l'autre côté pour sortir des bateaux. Il est où le galion? À gauche. Babord avant. Ah oui. Il a des voiles déchirées en plus, il fait peur. Ok, il y a le capitaine. Éclaire-les! Ouais! Massacre, vas-y! Lopé! Oh, il y avait le geyser, ça les a achevés. Ah! C'est bon. T'es dans le bateau? Oui, j'ai déposé le crâne. Je suis mort. Ah ah je suis mort. Ah mais sa mère. Son père, ses frères et ses sœurs. Vas-y, répare. Tu me dis dès que l'autre vient critique. Oh la violence du machin. En fait, c'est pas une île qui crache, c'est juste un caillou sur la route là. Oh c'est clairement des trucs autoguidés. Ouais ouais. Genre le volcan, il a des capteurs, ça, il voit ta vitesse. Brigantin à 12 nœuds. Hop là, pouf. Ah bah je suis one shot. Mais non. Ah je suis mal. Je suis mort. Non. Oh dis-moi que tu réponds bientôt. La cale était presque vide. Oui c'est ça, prends le saut dans tes mains. C'est bon, je suis dans le bateau. Oh coulé. Ah putain. Au moment où je suis apparu. Bon bah voilà, Panini. On a plus qu'à refaire le monde tous les deux sur cette île, je crois. Ah pour sûr. Ce fut épique, mais on n'a rien gagné. C'est chier. Camarade Panini. Oui. Ce fut un plaisir. Non. Est-ce qu'il te plaît vivre en pirate, c'est ça? Tu es un pirate. Hey oh, digga digga, être un vrai pirate c'est très bien pour moi. Est-ce qu'il te plaît vivre en pirate, c'est ça? Tu es un pirate. Tu es un pirate.